Pas du tout à la bourre, le mec. Mais alors, pas du tout à la bourre. Hein? 14h11. Bah, bravo. Bah, bravo. Belle mentalité, le gars. Et en plus, eh, pas de caméra, en plus. Ah, ouais, non, c'est mort. C'est mort. Autrement, je vais décéder. Il fait 40 000 degrés. Du coup, je me suis dit, soit on reporte la truc, là. Soit on fait ça pour les joueurs. Et donc, dans ce cas-là, pas de caméra. Donc, fallait faire un choix. J'ai fait un choix. Remembering. Anyway, guys, normalement, on devait brûler le studio aujourd'hui, mais il fait trop chaud. Donc, du coup, on va pas le brûler aujourd'hui. Donc, tout ça, là, ce que vous voyez, là, le campus, profitez-en encore une petite dernière fois, à mon avis, parce que la semaine prochaine, il est décédé, lui. Et ça, c'est la dernière fois. C'est l'une des dernières fois pour certains que vous voyez ce bâtiment. Introducing two teams, the 100 hair versus the terrific, with a streak of 6 wins in the left corners. I don't. Don't remember the name because it's not written at the top. Let's get ready to rumble. Allez, c'est parti les amis, c'est la grande finale. Commencez à 14h, il est minuit, ça fait 10 heures de casse. Qui va gagner les amis? Moi je dis, qui va remporter les 500 balles? Moi je pense que c'est les 100 R. C'est mes favoris un petit peu quand même. Ça me ferait chier qu'ils repartent 100 R. Allez. L'entry kill, il compte double. Qui va tomber? Là, ça va jouer là. Ça va jouer là, ça joue là. Oh. Et on a des spectateurs de génie quand même. Il lance les games un peu trop rapidement, mais on va le garder. Hein. C'est un bon spectateur. Oh la vache, tir de suppression. Allez, double kill déjà sur les FG. Ça sent bon pour les 100R. Derrière, et derrière, on louche totalement. Dans une situation de 1v4. Ça sent mauvais pour les FG. Eh ouais, ça sent mauvais pour les FG. C'est les oranges qui ont choisi Oregon. Donc, les FG. Et ensuite, exact. La deuxième map, du coup, on a quoi? C'est Chalet. Les Oregon, c'est les 100R qui ont choisi. Ensuite, les Chalet, c'est les FG. Donc Oregon, Chalet et on sait pas le Decider. Et Villa pour le Decider. Oh ouais, non, pas Villa, please. 2Z, 2-0. J'aime pas Villa. Allez, les 100 R à l'attaque. Bah pas pour longtemps, hein, pour Esco. Eh, 13 secondes sur un round, t'es content d'être venu, toi. Le pauvre. Et il ouvre la trappe, en plus, se permettant la possibilité de romer, de faire perdre encore un peu de temps. Bien joué de la part du Vigil. On vient ramener tout ça en 4v4 en se défaisant de la mélusie de l'équipe des FG. Oh, oh, oh! La bonne protection là de la part de Spanish qui avait bien pressenti qu'il y avait la possibilité que quelqu'un revienne du meeting into flag et qu'aurait pu faire très mal. Et Legend. Oh là là, le pré-shot qui connectera sur Walou. Mais on peut remonter. Alors on a été vu visiblement. On a été vu. Et il a encore tout le loisir comme ça de faire un peu yesh. Et Columbia derrière. Néanmoins, faire le kill sur Legend, bien évidemment. Au niveau de cette trappe, il aurait dû rester au top. D'un autre côté, il avait envie d'aider ses teammates. Et derrière, on prend quand même pas mal de dégâts là pour Columbia. Mais ça devrait aller. Mais attention, ils sont plus que deux du coup. Ça sent bon une fois de plus pour 100R. On va se moquer dans l'esca main. Mais pour pas grand chose, ça nous laisse quand même la possibilité de se replacer. Et on le sait qu'on a envie de toucher au niveau du white. Et ouh, le flic monstrueux mais qui ne passera pas. Ça aurait pu ramener tout ça en 2v2. Mais non, derrière il ne reste plus que le smoke. Condamné à l'exploit et on imagine bien où est-ce qu'il peut être. En règle générale, le dernier défenseur, il est souvent dans ce closet. Et on l'a vu passer. Oh, la tête magnifique de la part de King. Peut-il faire quelque chose? Peut-il faire quelque chose, King? Nom de Dieu. What the fuck? Nom de Dieu. Terminé. Rideau, au revoir. Mec, il nous a fait une bridelle. Là, ça part de là. Rien de tel que d'envoyer le signal de dire hey, « Eh les gars, vous vous sortez un peu les doigts du cul, j'arrive à aller 1v3, moi. » Et là, ça donne la confiance, là. Un partout. C'était le round qu'il ne fallait pas prendre. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre pour les 100R. Ils peuvent s'en vouloir. Il a vraiment été donné. On a joué 1v1v1. C'est magnifique, en tout cas, de la part de King. Une fois de plus, hein, un clutch. Allez. Oh, Esco se fait sortir. Non, Esco, pardon, sort. Chalumeau en place. Occupez-vous. Ouh.
On a bien refermé là. King, 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 King. Peut-il refaire la même chose? Oh, c'était bien tenté. Ça partait bien, mais malheureusement ça va pas proc. Attention, néanmoins, derrière, peut-il refaire la même chose que son teammate de tout à l'heure? Le C4 ne va servir à pas grand chose ici. Oh, attention à ça. Non, malheureusement, il est trop attendu. Il est trop attendu, il le sait. On l'attend, on l'attend. Mais derrière, il met une tête. Triple élimination pour lui, mais ça va s'arrêter là. On overextend un petit peu. Et bra. Bien joué de la part des 100R qui viennent un petit peu rétablir l'ordre après le clutch magnifique de la part de King. King Senju est le seul à avoir pris quelques petits dégâts sur cette première minute qui vient de s'écouler de cette manche numéro 4. Double grenade envoyée, bam! Au niveau de ce cochon, King Senju reprend des dégâts et derrière il fait le taf. Le but du jeu est de faire perdre du temps, bien évidemment. On va se défaire, on va essayer de se défaire de ce drone là. On a envie de s'en défaire du drone et on va le rater malheureusement. Il a pas envie de prendre de risques, ça joue très très bien. On le sait qu'on n'a pas le droit de prendre de risques. On met des petits coups de shotgun, petits coups de shotgun. Et derrière on fait perdre du temps, ça joue bien là. Très gros niveau du joueur, ça se voit en quelques secondes. Pas besoin d'aller décaler plus. Et derrière le but du jeu ça va être sûrement d'utiliser l'un des renforts qui reste en haut à droite pour refermer derrière lui. Mais derrière il se fait pusher néanmoins parce que ça peut aller vite. Columbia, le double kill, il se fait revenge. Instantanément, 3v2. Et 3v1. Avec Monstro qui n'a pas suivi, qui va coller ça un peu dégueulassement. On va pas se mentir. L'as boulette sur la décale. Et une situation de clutch à gérer. 35 secondes. Diffuse dans les yep. C'est possible. Que va-t-il faire? Jouer en rappel ici? Ça me paraît pas ouf. Jouer la double window? Pourquoi pas? Rentrer ici pour aller jouer sur 20 secondes. Et attention, il reste que 20 secondes. Il reste que 20 secondes, mon loulou. Ça va être compliqué. Allez, faut pas se faire écouter là. Faut y aller, 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 faut y aller. Il y est allé, mais il était attendu. Trahi par son ombre, la petite rotation n'aura servi à pas grand chose. Allez, Legend, encore lui sur le vigile au niveau du tour du monde, du bout du monde, pardon. Oh, elle est belle, magnifique. Oh, la petite tête qui passe pas là. Il a eu de la chance. Allez, on essaie d'être agressif, on a des bons setups, bien dans l'air du temps. Oh, le petit décal là de la part de Sunk. Au niveau de ce baril, on veut pas laisser la Yana avancer. Normal qu'on mette une pression. Ouais, mais la pression, elle va pas servir à grand chose de l'autre côté. Puisqu'il y a Monstro qui, lui, s'est totalement inséré au niveau de ce BP. D'où il arrive? Le mec s'est téléporté. Et derrière, ça va partir dans tous les sens, forcément. Parce qu'il y a loup dans la bergerie, ça part dans tous les sens. Ça va obliger la personne qui était au niveau du T2 à revenir au niveau de ce closet. Et la grenade, oh la grenade, elle va faire des dégâts, elle va faire plus que des dégâts puisqu'elle fait tomber le Jäger, il ne le savait pas. Terminé. Et tout ça, ça s'est joué sur le fait que on ne sait pas comment, mais la Twitch s'est retrouvée en plein milieu du bomb site. Elle a dû défendre, elle a dû descendre main stairs. Et c'est vrai que quand ça pète au niveau de l'escarouge, quand ça pète au niveau du bunker, bah parfois on peut avoir tendance comme ça à oublier un petit peu. Dernier round avant la mi-temps. Ça confirme ce qu'on a vu dès le début, hein. Sans air qui est un peu mieux, un peu plus en place. La communication est plus propre et on arrive toujours à trouver une solution, qu'elle soit collective ou individuelle. Mais on a quand même des grands joueurs de l'autre côté, ou des gros joueurs en tout cas, avec du gros aim. À l'image des clutches qu'on a pu voir. Du coup, attention. Allez, insertion au niveau de cette tour rouge. Il va falloir se défaire d'une personne qui est juste en face de toi. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas et il va se faire sécher. Bien joué de la part du Mute. Ouais, ouais, les amis. Derrière, King Senju qui enfonce le clou sur Columbia. La Yana se fait sécher. Et ils sont plus que deux, du coup, les attaquants. Condamnés à un exploit qui me paraît peu probable. Zipette, il le sait qu'il y a quelqu'un. On n'a pas pris un dégât sur ce round pour les FG. Le premier dégât, il va peut-être arriver maintenant. Eh non, le cap est en dessous. Zipette va être sans tenter de pusher le main. Oh, il va être accueilli par le pire des smokes. Le pire des combos ever. Pré-shot au niveau du meeting into la scène. Et effectivement, ça va être compliqué de pusher ici. Allez, le premier kill quand même pour les 100R. Pas nécessaire de la part des FG, hein. Oh, le trap de Capcan dégueulasse. Et on l'a entendu, donc on sait qu'il a proc. On sait qu'il a proc, ça servait à rien. Je m'occupe du triage. Pas de greediness. Ça sert à rien d'être greedy. Ils vont tous y aller en one by one. C'est pas possible, nom de Dieu. Bon. Ils mettent les kills, ok. Mais il n'y avait pas besoin, là. Néanmoins, le round est mis. Égalité parfaite. 3 à 3 à la mi-temps. Que demander de plus? Il y avait un énorme courant d'air. J'ai cru qu'on me souhaitait, quoi. Ouh,
bah j'arrive pile au bon moment, je pense. Ce kill improbable. Allez. Allez. On va pouvoir se défaire de ce shield un peu relou. Attention, attention, néanmoins. On a essayé derrière de venir pick. Et on se fait instantanément sécher par Nomad. Et setup intéressant là de la part de cette équipe. Bien agressif, bien dans l'air du temps. Oh, bien joué de la part d'Esco. Super intelligent de la part du joueur. Et on va avoir une ligne sur lui. Non, même pas. King, derrière, va faire le kill. King, le deuxième kill. Et ça commence bien pour les FG. Qui mène cette fois-ci. Après être passé en attaque. Allez, visiblement pour une fois on a envie d'utiliser la porte. Oh attention à ça. Et il est en train de pusher. Il est en train de pusher au niveau du Green King. Oh ça c'est pas con. C'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Mais il va falloir prendre l'info quand même. On va pas y aller à la... Oh, on va pas y aller à la one again, a beast to fly. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Oui il le fait. Et derrière, et non il se dit, oh non en fait non. Et on plante, on plante, on est en train de planter. Oh, l'agression énorme de la part des FG qui ont envie de terminer là-dessus. Mais les doubles C4, le kill sur le double C4 de la part de Esco. On a voulu se faire une plante rapide, j'aime bien, je trouvais ça extrêmement sexy. Et forcément, ça joue à pas grand-chose. Néanmoins, attention au buck. Mais forcément, ça s'est joué à pas grand-chose, ça s'est joué à un C4 visiblement. Ça s'est joué aussi à cet entry frag qui n'est pas passé. C'était intelligent, c'était intelligent. Il y avait une volonté visiblement d'avoir la Zofia. Elle met une pression au niveau de cette double window, de cette big window. On met une pression énorme pour la personne qui est au niveau de la kids. On prend l'information sur la personne qui pourrait se trouver au niveau de la kids, empêchant quasiment toute possibilité pour lui d'être au contact. On vient jouer sur la trappe qu'on avait vue comme étant non renforcée. On fait le kill au niveau de la kids bedroom. Et pendant qu'on est en train de coiffer l'objectif et de foutre le sbull dans la kids bedroom, et eh ben on envoie le ying un petit peu plus loin et on vient planter. Alpha, pas localisé. Con, peuvent faire les 100 R. Peuvent faire les 100 R. Ça commence mal, malheureusement. Allez, on a mis durant la possibilité que personne ne vienne trop au niveau de cette red. La grenade monstrueuse là que Kaïd vient de se prendre au niveau des yep. Lui aussi un peu chanceux. Ça fait un partout d'un point de vue chance et deux opérateurs, deux joueurs avec le même, quasiment, mais les mêmes HP au final. Allez, une exécution peut-être. Est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'on l'a entendu à gauche? Est-ce qu'on l'a entendu à gauche? Non, on l'a pas entendu à gauche. King, il va le tuer et derrière, ça déroule. Ça va être compliqué pour les 100 R. Zipette néanmoins arrive à faire un kill. Ils sont plus que deux. Non, Zipette tombe. Mais derrière, il ne reste plus que Esco. Peut-il le faire? 1v3. Et attention, attention, 1v3 into 1v2. Il lui reste très peu de HP néanmoins. Le calme avant la tempête. On va venir jouer au contact, mais néanmoins, on est pingé. Et ça, c'est problématique. La smoke ne va rien donner. Et on est attendu au niveau de cet highway. Les FG l'emportent. Nous partons sur chalet. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde à gauche là? Mais c'est inadmissible. Dans une compétition de renommée avec des skins comme ça, c'est comme passer un entretien d'embauche en pyjama, les mecs. Respectez-vous quoi. Respectez-moi un peu quoi. Quelle équipe va remporter ce match? Ou plutôt cette map? Allez, j'ai même pas vu ce premier round du coup. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne des 100 R qui visiblement vont avoir un peu de mal sur chalet avec Zipette derrière qui se fait totalement annihiler ici. Oh, Esco, monstrueux là, cette tête. Et ça va pas donner grand chose. Oh, derrière, l'intelligence du joueur de switcher sur son shotgun. Malheureusement, il aura pris beaucoup de dégâts dans le trade. Pré-shot de la part de Twitch. Oh ouais, pré-shot qui est en train de repeindre trois murs. Oh là là, la petite ligne là, attention, Esco qui repère des dégâts. Peut-il le faire? Ce serait monstrueux. Il peut le faire parce qu'il n'est pas attendu. Il n'est pas entendu, personne ne l'entend. Il est juste là. Personne n'a pris la ligne sur lui. Les gens l'attendent à droite. Si, il pouvait prendre l'information que juste en face de lui, il y a quelqu'un, mais non. Ouais, il l'a entendu juste après. Très bien joué de la part des FG. Je sens les amis, je sais pas pourquoi, qu'on va pas aller jusqu'à une troisième map. Je sens que FG va mettre à mal l'équipe des 100R sur une map qui est moins maîtrisée. La Pokéball, elle va pas donner grand chose, il y avait personne au niveau de ce lit. Eh si, il y avait quelqu'un au niveau du lit et on lui a mis une grosse tête. Oh là 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 là, ça joue bien. C'est millimétré là. La flash, elle va proquer malheureusement. Et on va pouvoir rentrer parce que ça fait du bruit. Parce que ça fait du bruit. Il est juste devant toi. C'est intelligent de la part de joueur. Et ça joue très très bien là. De part et d'autre. Et Zipette. Et il ne reste plus que Kev. Condamné à l'exploit. En mode bas à l'écoute total. Ah, il y en avait un. Il devait être content de reload lui. Waouh 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 waouh. Ouais forcément. Là on est en full fait échec quasiment là-dessus. Pour venir ouvrir au niveau de ce piano. Sur lequel il y aura
personne. Et on joue pas la facilité là du côté de cette attaque. Parce que derrière, attention, ça va pas être simple au final, même s'ils sont en supériorité en termes d'HP. Les 100 R sont relativement bien placés, à l'image de Zipet qui est revenu au contact juste sur le côté là, voilà. Et qui peut surprendre, je pense. La flashbang, elle va servir à rien, protégée par un piano. La flashbang longue non plus, celle-là non plus. C'est bien joué, mais heureusement, il peut compter sur ses réflexes et le fait que Zipet était low en HP. Ça laisse le Kaïd et ses quelques 40 HP. En situation de clutch qu'il ne réalisera pas, les FG reprennent l'avantage sur leur map 3-2. Et forcément, ce round, il est important pour les 100R. S'ils revenaient égaliser à 3 partout, on est sur un légèrement avantage l'attaque. Mais c'est une bague relativement balance. Allez, let's go! Oh, bien joué de la part de FG là! Comme tout à l'heure, juste avant la mi-temps, on a envie d'accélérer un petit peu, on a envie d'enfoncer le clou et c'est intelligent de leur part. Et il y a déjà deux personnes qui viennent de tomber et qui viennent de faire les frais de cette agressivité du côté des 100R. Et ça fait mal, et la grenade derrière qui va venir au contact et qui empêche ce sketchy play. Et on push sur site en mode bas les couilles. Spanish tombe, tout le monde tombe, manche parfaite, au revoir, rideau, plus 4-2. Et il reste quand même une minute. Gros avantage pour l'attaque, il faut faire le kill sur la Melusi. Allez, attention à ça, parce que Melusi elle est derrière toi et tu viens de te trigger avec ce petit move. Et Melusi, heureusement qu'elle tombe là, autrement ça sentait pas bon pour les joueurs 200R. Les Ying sont envoyés, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Derrière on va profiter de ce dawa total pour planter d'un côté. Mais attention parce que Colombia elle est tombée, et derrière il y a Zipet qui est tombé. Il reste plus que Colombia au final. Colombia en 1v2, en 1v1 maintenant. Peut-il le faire? Non! 6 à 2, 4 balles de match pour cette équipe DFG. Et alors là, pour remonter pour les 100R, je sais pas ce qu'il faut. Là, il faut tout là. Les 100R n'ont plus le droit à une seule erreur. Ils doivent mettre 4 rounds d'affilée pour espérer revenir en overtime où ils auront le droit à une seule erreur. Et derrière, ils doivent mettre la prochaine map qui serait Villa. Le calme avant la tempête. Et on vient pré-shot au niveau de la petite ligne connue. Ouais, bien joué de la part de Colombia, mais ce qui va pas proc derrière, on vient d'avoir un kill de la part des FG, mais Colombia quand même, qui vient faire la revenge, ouverture du T2. On s'en fout, on joue sur la range. Et les grenades peut-être. Allez, faut se défaire de cette personne, ce serait bien parce que ça va être impossible de pusher. Oh, Zipet qui tombe ici. Ils sont plus que deux puisqu'il y a Thatcher qui est au sol. Oh mon dieu, pas comme ça Zinedine, pas comme ça. Oh la vache. Ils sont au-dessus, désolé les 100R, mais là, les FG sont au-dessus. Et on va pas les respecter jusqu'au bout. Y'a rien à faire. One tap sur le drone qu'il vient d'envoyer. Y'a rien à faire, c'est fini. Y'a rien à faire, ça va se terminer là-dessus. On le sait, et ça ne passera même pas sur le dernier kill, et c'est fini. Les FG l'emportent. GG la FG, monstrueux. Et du coup, vous l'avez compris, eh bien, le bracket va être mis à jour d'ici quelques secondes. Mesdames et messieurs, comme on le dit souvent, merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci d'avoir été là.